Je m'appelle Frédéric Beaulieu, bien content d'être avec vous encore une fois. Cet après-midi, voilà, on est prêt alors que Rouleau là, et Edmels échangent quelques coups de bâton. Voilà, c'est parti. Mise en jeu emportée par l'Armada. Remise de Ortiz vers Likacza. Devant son banc, une mauvaise remise de Régis là, qui avait du temps devant lui. Arsenault tente une passe interceptée par Tourigny qui va remettre attention vers la verrière avec un tir contre Denis qui va d'un tir directement dans la lucarne. Et l'Armada qui ouvre la marque, c'est 1-0, un but marqué en désavantage numérique. Et on le sentait venir ce filet. On a joué mollement en avantage numérique chez les Huskies. Et là-dessus, Michael Denis est venu faire payer la troupe de Brad Yetman. Quelques erreurs en territoire neutre et quand on s'est amené à 2 contre 1, ben, Michael Denis a complété cette remise. C'était Laferrière en entrée de territoire, je crois que sur le flanc gauche. Et l'Armada qui ouvre la marque, passe dans l'enclave, qui dévie sur un bâton, c'est repris par Lavoie. Régis envoie le long de la rampe vers Mick Loucan qui... a tenté une passe, attention, Boutin devant Likachev. Tir, arrêt de Richard du bout de la jambière gauche. Likachev, à courte distance, n'a jamais été en mesure de soulever la rondelle. Samuel Richard, très occupé, là. 4 tirs seulement, mais ce sont des tirs de qualité là, qui sont parvenus à lui. Il va demeurer impuni. Brad Yetman n'a pas apprécié une passe dans l'enclave. Rondelle libre, elle était entre les patins de Boutin. Remise au point d'appui là, qui est intercepté par Murchison, qui est frappé solidement par Ortiz le long de la rampe. Et actuellement, l'Armada Tourigny met vers Laferrière. Laferrière là, qui travaille devant Régis, tente une passe au point d'appui. Gagnon voulait dégager, c'est raté. Ortiz envoie pour Likachev. Transfert maintenant vers Ortiz. Ortiz s'avance, passe vers Tourigny dans l'enclave. Tire dévié contre Mathias Laferrière. Quelle superbe manœuvre. Ça, c'est un jeu préparé de Tourigny à Laferrière qui se contente d'une déviation qui va tromper la vigilance de Samuel Richard. Et c'est 2-0. L'Armada avec 9,42 à faire au premier vent. On va faire une courte pause. On vous revient en direct du centre. Marcel Dion de Drummondville, c'est 2-0. L'Armada en avant. Démarre une sortie de territoire. Cardinal passe vers Bouchard qui vient appuyer l'attaque. Bouchard entre sur le flanc gauche. Une passe vers Saint-Laurent. Dévié, rondelle libre devant. Johnson un tir. Et Adam, dans un plongeon désespéré, va... Monsieur Adam qui, lui, s'était compromis. À vrai dire, il a glissé là, du coin droit jusqu'en plein centre de son filet. Un bel arrêt sur Saint-Laurent. Et Johnson qui a récupéré la rondelle dans l'enclave, il est allé d'un tir en ras la glace, mais Adam le couvrait l'espace. La même décision. Et je ne dis pas que j'ai raison, là, tout simplement, c'est mon évaluation de la chose. Attention à Tourigny là, qui va faire une percée au filet. Là, un tir qui va passer entre les jambières de Richard, mais qui va rater la cible. Un tir contre! Quel tir sur réception de Pinard! Et Samuel Richard semblait incommodé. Est-ce que cette rondelle a touché son masque? Et il avait été incommodé là, sur le tir de Tourigny qui était passé entre ses jambières. Et Richard met du temps à se relever. Là. Quel tir de Simon Pinard dans la partie supérieure. Oh! Pendant qu'on voit la reprise, est-ce que c'est Miguel Tourigny qui va récolter un autre point? C'est une troisième passe, je crois, en première période pour Tourigny. Quelle première il connaît, lui? Tir de Ortiz et Gagnon va compléter le dégagement. Et le disque sera saisi par Laferrière. Laferrière qui entre du côté droit chez les Huskies. Belzile là, qui harponne le disque. La remise vers Ortiz. Permutation de position avec Tourigny. Lui remet la rondelle. Un tir contre Miguel Tourigny qui en ajoute après avoir récolté 3 passes. Voilà qu'il marque son premier filet du match. Et c'est 4-0. Et est-ce qu'on va assister à un changement de gardien de but chez les Huskies? Bien honnêtement, là, Samuel Richard n'a rien à se reprocher. On est très brouillon défensivement actuellement chez les Huskies. Ça, c'est un but sur les unités spéciales. On a quand même concédé un but en désavantage numérique également. On en aura marqué 2 jusqu'à maintenant en avantage numérique. Brad Yetman, très songeur derrière le banc. Tourigny qui vient appuyer l'attaque, là, par pied cependant. Gendron, la mise en échec en coin de patinoire par Pellerin. Cosman, tir de Gendron là, qui a touché l'extérieur du filet dans l'enclave. Tir de Edmund, bloqué par Richard et en plongeant, Cardinal est venu voler un but à l'Armada. Passe pour Johnson derrière le filet vers Drouin. Drouin qui renvoie pour Johnson. Johnson au point d'appui maintenant vers Bouchard. Reste 47 secondes à la punition de Desgroseilliers. Saint-Laurent s'avance, il n'y a pas d'option. Remise pour Bouchard. Bouchard un tir et contre!
Et cette rondelle, je crois, a dévié. Est-ce que ça a dévié sur droit ou tout simplement sur un joueur de l'Armada? Peu importe. Les Huskies qui s'inscrivent à la marque, c'est 4-1. Avec une minute à faire au premier engagement. Ça, c'est bon pour entamer la deuxième période. Un peu de confiance. Ce filet inscrit en avantage numérique. Je crois bien que Xavier Bouchard va être crédité du filet. On pourra voir à la reprise le tir de Bouchard qui semble avoir changé de trajectoire. Ah, ça a peut-être dévié là, sur le défenseur devant le filet, mais c'est un bon tir à la glace. Quand on dit « prenez des tirs en avantage numérique », c'est un très bel exemple. Ah, c'est peut-être droit finalement là, qui a fait dévier. Bouchard passe au centre vers Rouleau qui lui a remettre vers Régis. Régis qui entre le disque chez l'Armada. On est libre derrière le filet. Droit passe en enclave. Tir de Rouleau sur réception. C'est superbement fait. Bien fait. Richardson au point d'appui vers Desgroseilliers. Permutation de position avec Pinard. On remet le disque vers Richardson. Roy là, qui a reçu la rondelle dans les patins. Cependant, n'a pas été en mesure de tirer. Desgroseilliers au point d'appui vers Pinard. Pinard vers Desgroseilliers. Tir sur réception. Bloqué par Richard. On est libre devant. Et c'est dévié par Corbeil derrière Samuel Richard. On ira certainement à la reprise. Ça semblait un peu haut. Dans le cas de Benjamin Corbeil, j'ai hâte de voir la reprise ici au tableau indicateur. Connaître leur réponse dans les prochaines secondes. On va voir à la reprise vidéo ici. On s'échange le disque au point d'appui des Groseilliers et... Oh, c'est une trajectoire descendante, mais le bâton de Corbeil est haut. Voilà, on va refuser le but. Tourigny qui passe en coin de patinoire. Pénalité maintenant terminée. On est de retour à 5 contre 5. Laferrière passe vers Tourigny. C'est Drouin qui va s'emparer de la rondelle. Drouin là, qui est rejoint cependant par Laferrière. Beau repli de l'attaquant de l'Armada. Attention, là, Gendron qui pourrait s'échapper. Ça mène seul au filet de Richard. Gendron tire. Arrêt de Richard. Et au retour, Ortiz qui vient marquer son premier de la saison. Et Richard n'y pouvait rien sur ce retour laissé dans l'enclave. Et l'Armada en avant 5-1. Lui marqué à 5 contre 5. Ortiz qui déjà avait deux passes depuis le début de ce match. Il ajoute un but. On avait à la reprise Gendron qui s'est amené rapidement. Richard a effectué le premier arrêt. Là, mais sur le retour, personne chez les Huskies pour saisir. Chance inouïe pour Christopher Merizier Ortiz qui... Je le disais, marque son premier filet de la saison. Il avait 20 passes. Coupe au filet, la rondelle qui appartient maintenant à Laferrière. Laferrière remet vers Desgroseilliers. Desgroseilliers qui renvoie vers Laferrière. Laferrière dans l'enclave. Edmund, quel arrêt de Samuel Richard sur un déplacement droite-gauche. Alors que Luke Edmund est à l'embouchure. Richard qui va compléter. Rouleau qui est rejoint par Ortiz. Mais beau travail quand même de l'attaquant des Huskies là, qui écoule des secondes en territoire ennemi. Relance de Edmund. Edmund qui entre du côté gauche. Remise vers Laferrière. Laferrière, un tir contre. Quel tir des ligues majeures de Mathias Laferrière. Tire dans la partie supérieure, malheureusement, de Samuel Richard. N'y pouvait rien. Et c'est 6-1. Ça, c'était le 45e tir, si je ne m'abuse, de la troupe de Bruce Richardson. Quel tir de Mathias Laferrière. On l'a bien vu. Il le voulait, ce but. Ça fait quelques fois qu'il tente ce tir poignet dans l'enclave. Il a eu quelques chances, tantôt un avantage numérique, là, cette fois-ci en entrée de territoire. Edmund lui a remis le disque. Il a eu tout le temps voulu un tir là, dans la lucarne. Samuel Richard est battu pour une sixième fois dans ce match sur 45 tirs. Quand même 39 arrêts là, pour le portier des Huskies. C'est 3,45 à faire au troisième vague.